Bill Douglas, c'était un chorégraphe canadien avec qui je habitais à New York et que je travaillais à New York. On habitait ensemble de façon amoureuse et on travaillait ensemble comme artiste. Je dansais avec lui des duos et des solos. On était ensemble pour 8 ans, au mariage d'art et de vie. Et William décède en 1996 de sida. Et avant qu'il décède, il chorégraphie un solo pour moi qui s'appelle « While Waiting ». Et cette solo gagne des prix et il est un grand succès. Et c'est en même temps que William décède et part. Et je continue à danser cette solo. Et toujours, j'avais en tête de faire un spectacle de solo pour William. Mais c'était toujours trop proche de moi. Ça faisait mal même de penser à faire un spectacle pour lui. Il y a une première pièce, Bach, qui représente un peu pour moi qu'est-ce que c'était Bill. Lui, il était architecte des formations. Très cartésien, très formel, la forme, l'espace et les corps dans l'espace. Ça, c'était vraiment Bill. C'est une boîte que ça fait très longtemps que je ne regarde pas. Pas nécessairement la boîte comme telle, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est le travail de William. C'est sa vie, c'est son travail. Oh wow! Regardez ça. C'est une chose que j'aimais dans le travail de William. Ce n'est pas qu'est-ce que les danseurs font, mais qu'est-ce que les danseurs créent avec l'autre. Et c'est surtout l'espace négatif entre deux danseurs ou les shapes qui ont fessé avec l'espace négatif de l'autre danseur qui c'était un peu le matériel qu'ils ont créé. Son corps a changé déjà, est très 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 mince, mais quand même il danse, le matériel, exact. Tout ce matériel est exact, exact. Hein?
Ça, c'est Dominique Porte. Ça, c'est moi en arrière. J'ai pas vu ça depuis longtemps. Et de voir aussi William, c'est comme s'il était là toujours. C'est incroyable. La deuxième pièce, PJ Harvey, To Bring You My Love, c'est évidemment une pièce qui parle d'amour. Alors, c'est très viscéral. Et c'est ce côté viscéral de notre relation, de notre vie. 12 artistes qui dansent ensemble, qui créent ensemble, avec la conscience qu'une d'eux va décéder dans 5 ans. Et on travaillait avec ça autour de nous toujours. Et on faisait de l'art. Dans mon processus de travail,
depuis, je dirais, 5 ans. J'organise mes répétitions et même mes chorégraphies d'une façon qui me fait penser beaucoup à William. Et de plus en plus, je vois William en moi. Je vois comment, drôlement, je deviens lui dans des choses qui, avant, je trouvais que c'était le côté fastidieux de William. Mais maintenant, pour moi, il y a des journées dans lesquelles je ne quitte pas la répétition jusqu'à un moment que j'ai la phrase faite. Avec l'âge, c'est comme si je reviens au début. Je passais par faire des choses avec orchestre ou des musiques immenses. Et maintenant, doucement, c'est comme je suis amoureux, encore une fois, de juste les mouvements comme ça. Juste les mouvements, pas plus. Je pensais toujours évoluer vers la liberté totale. Et c'est à l'âge de 57 ans, c'est l'abstraction, c'est la technique. La troisième pièce, Billie Holiday, c'est aussi parce que Bill, pour moi, c'était l'introduction pour moi de New York. Et pour moi, New York et Billie Holiday, le jazz, c'est quelque chose qui vient ensemble. Et cette pièce, pour moi, c'est... Je m'imagine que Bill, si Bill la regardait, il trouvait ça possiblement drôle et kitsch. Et je fais cette solo comme si je le fais devant lui pour lui donner un petit peu un sourire. Il y a une chose que je me souviens de lui à la fin de sa vie. Il est chorégraphié toujours, et comme je dis, il est chorégraphié jusqu'à la fin. C'est que chaque fois qu'il voyait, qu'il regardait la répétition avec ses danseurs et tout ça, même s'il était à l'hôpital, il riait, il trouvait des jokes, il trouvait quelque chose de drôle, il riait. Je trouvais ça toujours beau, comment la danse s'affaissait dans lui, ça donnait cet espace, même la douleur disparaître. Il était William encore.
Quand on est arrivé ici à Montréal, William et moi, il m'a ramené ici à voir un spectacle et je sentais comment William était fier de me montrer la salle Wilfrid Pelletier parce que c'était plein et parce que bon, c'était une grande salle. Et c'est sûr que je pense que dans sa tête, comme dans la tête de nous tous, on voit une salle comme ça et on s'imagine, imagine-toi d'avoir une salle comme ça pour présenter mon travail. Et William, il n'a jamais eu l'occasion de présenter son travail ici dans cette salle. Alors c'est un cadeau de la vie de, de me trouver ici quelques décennies après et d'être capable de dire William Douglas et que ça résonne ici dans cette salle. La dernière pièce, Birds of Paradise, c'est parce que William avait créé à New York une pièce qui s'appelait Herons. Et c'était un peu une abstraction des oiseaux. Et aujourd'hui, je m'imagine, si on s'imagine qu'il y a un ciel, je m'imagine que William est dans ce ciel dans lequel il danse un adage pour toujours et son corps est vivant et en santé. Et au lieu de herons autour de lui, il y a des oiseaux de l'Amazone. C'est ma connexion aussi comme de donner à lui les oiseaux que je me souviens de chez moi. Et je m'imagine qu'il danse pour l'éternité, cet adage continuel, juste avec les sons des oiseaux.